6-4 d'entrée de jeu. La team Garato-Raffin commence à faire peur là. Bah non, c'est vrai que le poulain il s'est très bien comporté, hein. Il avait fait une très bonne qualification. Sébastien avant le coup m'avait dit, tu vois, c'est un poulain qui est. C'est pas un souci pour aller sur le pied de 10. Essaye de le préserver et puis c'est ce qui s'est passé. Donc non, c'est un bon cheval, il s'est bien allongé. Super. Chapeau. Enfin, c'est quand même... Et puis il y a eu du train en début de parcours, ça t'a servi? Ouais. Moi qui n'ai pas trop démarré, ça a été bénéfique pour moi, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le successeur de Billy de Montfort ou il est trop tôt encore pour voir ça? Non, on va pas s'enflammer. Déjà, il a gagné proprement. Maintenant, il fait partie. Ça commence juste, donc on ne connaît pas la concurrence. Mais c'est un poulain qui a de la classe, ça c'est sûr. Maintenant, il faut rester les pieds sur terre. Et toi, juste parce que tout le monde attendait cette course de poulain, on sait que Philippe Allaire estime énormément célébrissime. Il y avait d'autres poulains estimés, Frédéric Pratt, etc. Quand on commence par une victoire comme ça, on se sent bien? Ouais, c'est bien, d'autant plus que je pense que mon poulain n'a pas fait une course dure. Il a fait un bon parcours école en faisant les derniers 500 mètres sur un bon pied. Donc non, aujourd'hui, il n'y a que du positif. Juste après le poteau, on l'a vu au galop, rien de méchant? Ouais, je l'ai laissé se relâcher, puis il s'est relâché lui aussi. C'est un poulain que j'aurais peut-être dû accompagner un petit peu plus, mais rien de bien grave. Joss, est-ce que tu y as cru? Comment? Est-ce que tu y as cru? Non, parce que les circonstances de la course, ça me coûte trop cher. De toute façon, la prochaine fois, on va le courir autrement. On va pas le courir comme ça. C'était les ordres d'aller devant aujourd'hui? Moi, non, mais on avait décidé d'aller devant aujourd'hui. Vraiment, oui, mais j'ai jamais pensé qu'il y avait trois accélérations. En partant, j'étais obligé d'envoyer devant les tribunes encore et en face encore. Et c'est qu'un 2 ans. Hein. Et il fait quand même un super chrono, donc pour toi, c'est toujours bon. Ça n'enlève rien de sa qualité, il est tout bon, aucun problème. Franck Canary Match, 3 mai, 3e, il a été bon. Ah oui, bon lot, hein, sorti après prématurément, j'aurais dû rester derrière. Je pense que c'est un cheval qui est mieux à faire 300 mètres. Bon, après, Joss avait mis un gros coup de frein, j'ai voulu rester à côté de lui. Mais bon, on fait un beau dernier kilomètre, on était 19 au 1000, ça marche 16. Non, rien à dire, bon, c'est dommage d'avoir fait une course dure pour rien, quoi, mais bon, à revoir. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui aujourd'hui? Non, c'est un cheval très bien dans sa tête, il est bien mis, il n'y a pas de souci, non, il y a de la vitesse, de la tenue, non, il y a de l'avenir devant lui. See you again.